Pour faire une quiche Lorraine, il vous faut 200 g de lardons, 2 briques de crème, 2 jaunes d'œufs, 2 œufs, 100 g de gruyère, un rouleau de pâte brisée ou feuilletée et du poivre et du sel. Alors moi je prends de la pâte feuilletée parce que mes hommes aiment mieux. Bon, normalement c'est avec de la pâte brisée. Dans une poêle, on va commencer par faire revenir nos lardons. Pendant le temps que nos lardons cuisent, nous avons mis la pâte dans le plat et nous l'avons dans un saladier. Nous avons mis les œufs entiers et les deux jaunes d'œufs et nous allons y rajouter la crème. Nous allons bien mélanger. Quand votre appareil est prêt, donc les œufs et la crème, on va saler et poivrer. Donc on poivre bien. Et on sale très peu parce qu'il y a les lardons. On remélange. Nos lardons sont cuits, donc nous allons les mettre sur notre pâte qu'on a mis dans le plat. Nous avons mis à préchauffer notre four à 180 degrés. Là, nous allons recouvrir nos lardons du gruyère. Donc on recouvre bien. Et nous allons recouvrir le tout de notre mélange œuf, crème, sel, poivre. Donc voilà, notre quiche est prête à être enfournée pour 35 minutes à 180 degrés. Et voilà notre quiche sortie du four, prête à être mangée. Bon appétit !